À la fin de l'été, tout allait encore bien. Hey, c'est de l'amour, ça, hein, mon Pierre? Lâche pas. J'avais du fun avec mes cousins. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupais beaucoup de mon petit frère Mimi. Maman! Et tout, papa va aller mieux. On va se retourner à la maison, puis tout va redevenir comme avant. Promis. Mais pour le bien-être de vos enfants, c'est la meilleure décision à prendre. Bientôt, ils viendront plus, ils vont s'en aller dans les familles d'accueil. Dans les familles d'accueil, le cœur. Et on n'ira pas là-bas, nous autres. On va s'en parler tantôt, on va tout t'expliquer. T'aimes ça quand ça fait mal, toi, hein? T'aimes ça, le drame? Personne nous dit jamais rien, comme si on n'était pas du vrai monde, comme si on n'avait pas d'opinion. Le temps que le tous québécois n'auront pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes. C'est pour vous autres que ces gars-là se battent. T'as belle ça se battre, toi. Enlever du monde, poser des bombes. Pourquoi les fakers enlèvent des otages? Pour exiger des affaires en échange. Manon! Où c'est que tu vas? Chez le diable. Je veux y aller avec toi. J'ai une idée. C'est dangereux. T'es-tu game? C'est un barrage de police. Tu vas être grand-mère? Non, on fait partie du FAQ. C'est notre otage, on l'amène dans notre cachette secrète. C'est vrai. Tu veux-tu ma photo? Qu'il y a du monde qui sont rue de même tout le temps. Humain! Vous êtes fourraine avec vos fusils, ok? Ça va de votre arme! Lâche-le! Chien sale! Pas de mensonge! Salut, Moran Mongol.